the thing goes grrrr. Skibi ki pa pa. And the poo poo doo boom. Skia. Tu tu ku ku dun dum. Boom boom. Yo les petits potes, c'est Marshall les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Bon, petite anecdote dans cette vidéo là, je vais pas vous retenir longtemps. Vous allez voir dans la vidéo qu'il y a pas mal, il y a des moments où je vais loucher grave. Bon, il y a des moments où je vais loucher de ma faute, mais il y a des moments où je vais loucher pendant 2-3 secondes dans le tir. Et c'est pas du tout dû à moi ou c'est moi qui donne un coup dans le joystick ou quoi que ce soit. Ou les massistes qui déconnent, non, c'est juste que voilà, pendant cette game, d'ailleurs pendant toute la matinée j'ai joué. Je laguais énormément, pourtant je jouais que j'étais à 80 ms, 90 ms, mais pourtant en game j'avais l'impression d'avoir des pertes d'image ou à des moments où vous allez voir mon viseur qui se décale et se remet sur la cible, c'est pas du tout moi qui le fais, ou soit que je serai en train de tirer et d'un coup mon viseur va monter d'un coup d'un trait, c'est pas moi non plus qui le fais. Comme vous allez le voir parfois dans d'autres situations, même si je ne touche pas le gars, même si je ne suis pas sur lui, mais mon viseur est quand même assez linéaire, vous voyez, il suit quand même la trajectoire du gars, même si je ne suis pas dessus, même si je tire à côté, mais voilà. À aucun moment vous allez voir mon viseur volontairement bouger de gauche d'un coup à droite ou d'un coup à gauche. Et que c'est moi qui le fais quoi, ou que je le fais volontairement. Voilà. Et pareil, quand je tire au jugé ou les trucs comme ça, ouais, quand je me tourne, même des fois, quand je me tourne, si vous faites bien attention, parfois, quand je me tourne, il y a des petits bugs d'images, d'affiches, qui font parfois que même quand je me tourne trop vite, je vois même pas qu'il y a un mec à côté de moi ou en face de moi. Donc voilà, et comme ben, là, vous voyez bien, là j'étais derrière le bouclier, j'étais quand même à une certaine distance. Elle m'a couché, c'est après que j'ai vu le coup porté. Donc voilà, bref, c'est pas pour justifier quoi que ça ou dire que j'ai un shoot exceptionnel non plus. Hein. Il y a des moments, comme je vous dis bien, il y a des moments où je tire à côté. Mais vous voyez bien que mon viseur, voilà, même quand j'étais à côté, ça suit quand même la trajectoire du mec, même si je ne suis pas sur lui, voilà. Bref, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, comme les gars, n'hésitez pas à lâcher en commentaire ben, votre avis, etc. Tout ça. Et si vous avez aussi un défi à me proposer aussi, parce que voilà, je voulais faire un défi double Mozambique, double Mozambique top 1, essayer au maximum. Mais il faut que je le fasse en team, et forcément, pour produire une vidéo par jour, eh ben, je suis obligé de jouer... à des moments où pas forcément ma team joue, qu'elles sont pouvoir faire le montage et tout, et après sortir la vidéo dans la nuit. Et donc souvent je suis tout seul, comme vous allez voir, en solo random et tout. Donc si vous avez des petits défis à me proposer, mais qui sont quand même réalisables en solo random, parce que le double Mozambique, c'est pas, je pense pas que ce soit réalisable forcément, en tout cas pas à mon niveau, réalisable en solo random. Parce que bon, voilà, il faut quand même une certaine cohésion et tout, je ne peux pas tirer au loin, donc les fights à distance, voilà, ça fait que j'en ai fait des games double Mozambique, mais franchement, il y a... Voilà, même j'en ai fait une, j'avais fait un top, on avait fait un top 1, mais voilà, c'était pas extraordinaire, donc j'ai préféré ne pas faire la vidéo avec les double Mozambique, bref. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à lâcher en commentaire ben, si vous avez un défi à me proposer avec des armes ou avec un perso en particulier. Et ben n'hésitez pas en commentaire à lâcher, ben, si ça vous plaît déjà que je fasse des vidéos plus souvent, parce que j'essaie d'en faire quasiment tous les jours, ben, il y a des jours quand même j'en fais tous les deux jours quoi. Bon, ça va dépendre, ben, comme je vous dis, c'est assez dur quand même de maintenir le rythme, en sachant qu'il faut jouer quasiment tous les jours et à des heures assez régulières et que c'est pas forcément à ces moments-là que j'ai envie de jouer. Donc c'est assez compliqué les gars. Donc bref, voilà, n'hésitez pas à, comme je vous dis, lâcher les commentaires les gars, liker la vidéo pour le référencement, c'est important. Et partager ben, au maximum ma chaîne ben, à votre entourage, à vos amis et tout ça les gars, parce que voilà, plus forcément il y aura des vues et tout ça, plus voilà, bref, ça, la chaîne va monter quoi. Donc, c'était Marshall les gars, vous connaissez déjà, yes I.
recharge. C'est nul. Ils reviennent tout le temps. Ils devraient nous lâcher si on élimine toutes les squads. Sur l'ennemi. Recharge. Plus vite, plus vite, plus vite. Manche 2. L'ennemi repéré. Je me fais tirer dessus. On est déjà dans l'anneau. Oh putain, je me serais... Charge de bouclier. Je signale une frappe aérienne. Bouclier dôme déployé. Recharge mes boucliers. Je lance une étoile arc. Ça va arriver d'en haut. J'irai bien par ici.
bouclier. Morphée, morphée. 45 secondes. Morphée, il est tranquille. Recharge. Recharge. Anneau en mouvement. Contact. Je recharge. Je recharge.